Nous allons donner la parole à son Excellence, Monsieur Serigne Mamour Mbacké, qui par ailleurs est le président directeur général de l'Institut Al-Azhar et qui est aussi notre guide spirituel. Monsieur Mamour, vous avez la parole. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Salawatullahi wa salamu ala Sayyidina Muhammadin Abdihi wa Rasul. Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et la délégation qui l'accompagne, Monsieur le directeur général de l'ENAM, Jeff Zelaou, Monsieur le professeur, Monsieur le directeur général de l'Institut, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, avant de laisser la parole à mon collaborateur, permettez-moi tout d'abord à quelques mots de vous souhaiter la bienvenue dans cette ville sainte de Touba. Fondée en 1888 par Cheikh Amadou Bamba, et plus particulièrement ici à Daru Alim, ce sont lieux de savoir fondés 3 ans plus tard en 1891. Votre pays, Excellence, est une des premières reconnaître la grandeur du fondateur du modernisme et à lui dire dans son calendrier depuis 23 ans une journée mémorable qui honore non seulement mon pays, le Sénégal, mais également l'Afrique tout entière. À l'occasion de cette journée, le 28 juillet, Baptiste Bamba Dey, toute la diaspora africaine et d'ailleurs et mobilisé dans une sainte communion pour magnifier l'œuvre d'un homme, Cheikh Amadou Bamba. Celui-là même qui consacrait toute sa vie au triomphe des valeurs humanistes que sont le savoir, la solidarité, l'humilité, le travail et la pitié. Autant de valeurs que le mauridisme partage avec le peuple américain. Et je ne voudrais pas terminer ces mots de bienvenue sans vous remercier une fois encore de l'intérêt que vous portez à notre ville.
Thank you, Excellence. Nous passons la parole à M. Diguel qui va devoir approfondir un peu quelques points élucidés par notre président directeur général. M. Diguel, vous avez la parole. So, His Excellency, you would easily understand that all these students here today are really excited because of your visit, of your presence today among them. Because, as you said earlier, all Murid people, the brotherhood and time, are really grateful to the United States of America. Because of what your country has done for the community. He mentioned July the 28th. July 26th, we are in Washington. The 22nd, the 23rd, we are in LA. Maybe around August the 1st or the 2nd, we go to Memphis, then Cincinnati, Atlanta, Baltimore. Okay, in all these countries, we have conferences about Sheikh Ahmed Bam. Why? Because his philosophy and his vision make us easily understand what your country is doing in the world. We do not come to this later in making friends, just to make everybody understand what we're saying here. Because this message is very important for the chat. Because the philosophy of Ahmed Bam is really understandable. Because it is love, because it is tolerance, because it is solidarity, because it is non-violence. And we all know Martin Luther King. We all know him though. But before King, Sheikh Ahmed Bam wrote about non-violence and he practiced non-violence. This was a word I wanted to say just in your language because this is the Al-Azhar Institute. Here, whenever we have guests from any country of the world, we try to talk to him in his own language to make him understand that here then, language is just a medium that helps people understand each other. And understanding, mutual understanding is very, very important, especially in nowadays. Okay? So they speak Wolof, they speak Arabic, they speak French, they speak English, and maybe later they're going to maybe talk in Spanish or in Italian. Because this is going to help them to go out throughout the world just to convey and to spread the message of Ahmed Bam. Okay, this was some word I wanted to say in English, and maybe we can come to the speech of Saint Mahmoud itself. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur des États-Unis d'Amérique, nous vous souhaitons la bienvenue en Terre Sainte de Touba, à vous et à la délégation qui vous accompagne. C'est devenu aujourd'hui une tradition que la plus haute autorité de l'ambassade des États-Unis à Dakar vienne faire une visite de courtoisie à la communauté mouride par l'intermédiaire de son éminence Serigne Mahmoud Mbacké Moussouda, lui-même nommé ambassadeur de la Mouridia à travers le monde entier. Nous gardons encore le souvenir vivace du passage de Mme Moshe Beniken, votre prédécesseur, et du discours mémorable qu'elle a eu à prononcer ici même. Et de surcroît, elle avait tenu à passer la nuit à Touba. Ça, c'était historique. Et personne dans cette ville n'oubliera le passage de Moshe Beniken. S'il faut donner un sens à cette visite, il faut la situer dans la tradition des relations nouées par Cheikh Mohamed Murtada avec votre illustre pays et qui se perpétue aujourd'hui sur le magistère de son fils prodige, votre hôte, Serigne Mahmoud Mbacké Moussouda. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes la première puissance économique, militaire, scientifique et technologique du monde. Mais cela ne vous empêche pas d'ouvrir vos frontières aux autres peuples et à partager vos richesses inestimables tout en étant respectueux des droits de l'homme. Monsieur l'ambassadeur, la jeunesse du monde perd ses valeurs et se laisse emporter dans une spirale de violence. Les valeurs qui jadis fondaient l'idéal humaniste, comme l'amour, la tolérance, la justice, la tempérance, la sagesse, sont foulées aux pieds et sont remplacées par des contre-valeurs, comme la haine de l'autre, le sectarisme, la stigmatisation, l'exclusion pour ne citer que celle-là.
Si on ajoute ce phénomène dans notre temps qu'on appelle péjorativement islamisme, on ne peut alors que mesurer la profondeur du mal qui gagne dans le monde et l'ampleur de la tâche qui attend nos dirigeants et nos leaders. Cette illusion, entre guillemets, dont parlent les extrémistes, cet islamisme intolérant, inconscient, ignorant, cet islamisme de la séquestration du rap, cet islamisme haineux et meurtrier, cet islamisme qui fait peur, n'est pas l'islam véritable. C'est plus qu'une doctrine politique, une idéologie au service d'ambitions crypto-personnelles ou sectaires. Vous conviendrez également alors avec ce imam Mohamadi que cela ne fait que tenir l'image de l'islam véritable, dont le dépositaire pour la communauté mouride est Cheikh Amadou Bamba, pour pérenniser ses valeurs et les transmettre aux générations futures. Il fonda la Mouridia dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il a théorisé dans ses écrits et pratiqué dans son comportement. La Mouridia s'articule autour de trois principes fondamentaux. Le savoir, la dévotion et le travail. Le savoir est lumière. Il illumine notre chemin et éclaire nos actes. Nous irons le chercher partout où il sera. La dévotion, respect des pratiques rituelles et culturelles, purifie notre âme et nous met dans d'excellentes dispositions affectives, de sérénité, de recueillement et de crainte révélationnelle. Quand on travaille, il libère, en ce qui permet de gagner son autonomie économique et au-delà de se réaliser à travers ses œuvres, le travail humanise. Cet islam-là, monsieur l'ambassadeur, est celui de Cheikh Amadou Bamba. Et cette religion est un vecteur de paix, de stabilité sociale, de source d'inspiration et de motivation positive. Un islam d'émulation dans le travail et de partage avec son semblable. Au Sénégal, c'est l'imam Mohamed Bakel mène une action d'envergure en direction de l'éducation et la formation. Partisan de l'autonomie et de l'effort personnel, il n'a jamais accepté de tendre la main pour réaliser ce projet. Sans mépriser le soutien de l'autre, il commence toujours par compter sur ses propres forces. À cet effet, il gère un holding rassemblant plusieurs services, allant des assurances à l'agroalimentaire, en passant par les mines et carrières, le transport et le tourisme. L'essentiel des recettes générées par ces différentes structures sont entièrement reversées aux instituts Al-Azhar, aux centres d'excellence, à l'UDVC Siamou Bamba et à des œuvres de bienfaisance. Celui Mbake est convaincu que seule l'éducation et la formation sont l'antidote incontournable contre le malin morbide de l'ignorance, de l'intolérance et de l'obscurantisme. C'est une mort où réaffirme, excellence, sa ferme volonté a toujours œuvré pour la paix dans le monde. Une entente entre les nations, un amour entre les peuples et une cohabitation pacifique entre les hommes. Excellence, en espérant que votre visite renforcera davantage les relations déjà cordiales entre votre pays et la Mouridia, nous vous souhaitons un excellent séjour à Touba et plein succès dans votre noble et exaltante mission. God bless you. God bless America. God bless you. Merci, M. Duguel. À présent, nous allons laisser la parole à Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Assalamu alaikum. Excellence, chers honorables invités, chers enseignants et surtout les étudiants, merci beaucoup pour ce très chaleureux accueil aujourd'hui. C'est un très très grand plaisir pour moi d'être ici parmi vous aujourd'hui. J'étais très très heureux de savoir que vous apprenez les trois langues que je dirais sont les trois langues les plus importantes dans le monde aujourd'hui, le français, l'arabe et l'anglais. Donc félicitations à tous les étudiants et les enseignants pour le travail et les études que vous faites ici aujourd'hui. C'est pour moi un très très grand plaisir d'être ici à Touba, le centre spirituel de communauté mouride. Je sais que c'est une communauté très très importante, pas seulement au Sénégal, mais comme vous le savez très bien, aux États-Unis aussi, où nous avons des centres de communautés mourides partout aux États-Unis, comme mon ami vient de dire. Et nous partageons les valeurs très importantes
le peuple américain, le peuple sénégalais, le peuple mauride. Et parmi ces valeurs sont l'amour de la paix et la tolérance, la non-violence et la stabilité, la modération et le respect entre les religions et entre les peuples, de l'amour et de la travail, et surtout pour l'éducation. Donc je dirais autrefois, c'est un très grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour renforcer l'amitié entre le Sénégal et les États-Unis, et le peuple sénégalais et le peuple américain. Merci beaucoup.